Bonjour Ada les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les fêtards qui vont au Qatar, les amis. C'est la honte Ada, c'est la défaite Ada. C'est la contre-performance Ada, oh là ! C'est quoi ce match de merde ? Déjà Guendouzi et Verretou, à cause de vous, tout le monde va dire c'est la faute des joueurs de l'OM, oh là ! Ils vont dire avec les joueurs de l'OM on gagne jamais. Mais je suis catastrophé parce que j'ai vu. Oh là, c'était quoi cette équipe de France? Guendouzi, Verretou, Fofana, Djizazi. Il y avait Djizizi sur le terrain, la vie de ma mère. Il y avait Djizazi, mais il y avait Djizizi. On a vu que l'équipe de France, sans Mbappé, c'est l'équipe de Lens. La vie de ma mère, nul les Français. Nul, c'est pas possible. Nul, Verretou, nul. Ça c'est plus Verretou, c'est Verratou. T'as tout raté dans le match, sale nul. Et nul. C'est un truc de malade. Oh là, je suis dégoûté. J'ai peur, les gars. J'ai peur pour la suite de la compétition. La vie de ma mère. Verretou, c'est virer tous. Et tous dégagés. Verretou, Guendouzi, Kamavinga, Colomwani, nul. Défensivement, nul. Offensivement nul, sexuellement nul et intellectuellement nul aussi. Oh là, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce niveau? L'équipe de France, l'équipe des fiottes, ils ont des peurs aujourd'hui. Oh là, que vous aurez mis les féminines à la place de Verretou. Oh là, qu'on aurait fait un meilleur match. Il fallait mettre les féminines. Oh, tu mets Kera Amraoui à la place de Colomwani. Oh là, qu'elle fait un meilleur match. Sur la vie de ma mère, elle fait un meilleur match. Bande de branleurs, oh là, que c'est un truc de fou. Ah, j'ai jamais vu ça, les gars. Il n'y a rien qui allait dans ce match. Et j'ai peur que la France fasse un petit parcours. Oh là, je suis déçu par les Marseillais. C'est pas le Guendouzi de l'OM. C'est pas, c'est le Verretou de l'OM. C'est le même. À l'OM, nul. Équipe de France, nul. Comment t'as fait pour être pris? Oh là, c'est incroyable. Oh là, je comprends pas. Jordan Verretou, c'est même pas le meilleur Jordan de la Coupe du Monde. Même Jordan Ayew, il fait une meilleure Coupe du Monde. Oh là, que c'est vrai. Et pour les joueurs pourris comme Kamavinga, comme Colomwani, comme Djizazi, comme Fofana, commencez pas à me dire, ouais, c'est leur premier match, il faut leur laisser du temps. Mais on n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps. Je sens que ça va finir comme contre la Suisse. Oh là, pareil. Je veux pas remuer le couteau suisse dans la plaie, les gars. Mais j'ai encore cette plaie de la Suisse. Et je sens que ça va finir pareil avec ces petits Suisses qui ont écarté leurs cuisses aujourd'hui. Oh là que c'est vrai. Il n'y a rien qui allait dans ce match. Déjà TF1, c'est plus TF1. C'est éteint avant la fin. Oh là! Oh, vous avez plus les droits d'image, qu'est-ce qu'il y a, TF1? C'est plus Lizarazu, c'est Bizarazu, bizarre, très bizarre. Oh là, que c'est incroyable. Oh, ils ont éteint le match. Tout le monde pense que la France a fait match nul. La France n'a pas fait match nul. La France a fait un match nul pourri. C'est la première fois qu'on voit une équipe faire un match nul et de pas prendre de points, les gars. Parce que le match nul, ils l'ont fait. Voilà, et pas dans tous les sens du terme. Il n'y a rien qui allait. TF1 qui coupe avant la fin du match. En même temps, TF1, ils peuvent faire un reportage sur l'équipe de France. Voilà, à la fin du journal TF1. Bonjour, nous allons rencontrer Didier Deschamps, producteur de fromage de brebis Loupérac dans le Périgord. Voilà, avec ses brebis Guendouzi, Fofana, Colomb. Voilà qui peut faire un reportage. Bande de producteurs de fromage. Voilà. Oh, TF1, il coupe le match avant la fin. Oh, t'as eu la célébration de Griezmann. Mais t'as pas honte, Griezmann. Tu mets un but tous les 5 ans. Tu te permets de faire le pingouin. Voilà. Attends, c'est quoi cette célébration, les gars? Je vais vous la refaire. Voilà, c'est la danse des canards. Coin, 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 coin. Voilà.
Oh, Griezmann, oh, sois un peu modeste, sois un peu humble, un peu de modestie. Oh, Zinedine Zidane, il mettait des doublés en finale. Et on n'a jamais vu ça, les gars. On n'a jamais vu, tu verras jamais Zizou faire ça. Oh là, mais là, c'est pas Zizou, c'est Grisou. Oh, Griezmann qui célèbre comme ça. L'autre fois, Mbappé qui célèbre comme ça, les gars. Oh là, c'est quoi, c'est une compétition? Celui qui fait la célébration la plus claquée, il a gagné. Oh là, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Jizazi, mais quel zizi, Colomoigny, Colomoigny nul. Et en face, on avait une Tunisie décomplexée, parce que les nouveaux joueurs de l'équipe de France, ils étaient complexés. Et pour les huitièmes de finale, ne soyez pas complexés. C'est la clé de cette Coupe du Monde. Regardez le Sénégal. Regardez le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Tout le monde joue à fond, tout le monde. À part l'équipe de France, des branleurs. Pas des footballeurs, des foot-branleurs. Qu'est-ce qu'ils foutent, sérieusement? Voilà. Et ramenez-nous Benzema. C'est plus ramener la coupe à la maison, c'est faire rentrer Veretout à sa maison. Voilà, fais-le rentrer de suite. Non, mais sérieux, Colomoigny. Oh, Colomoisy, t'es nul. Dégueulasse, faible, tu sais pas jouer, maladroit, atroce. Voilà, Kamavinga. Le Real, ils vont déchirer ton contrat sur la vie de ma mère. Parce que la Tunisie, ils ont été chauds aujourd'hui. Et on peut les féliciter. C'est leur match référence. Oula, ils vont le mettre sur Wikipédia. Palmarès de la Tunisie, on a battu l'équipe de France. Quoi d'autre? C'est tout, les gars. C'est tout ce qu'ils ont gagné dans leur vie. Ils ont joué à fond. Ils ont joué décomplexés et ils nous ont baisés. Faut dire la vérité. Oula, les aigles de Carthage. C'est les aigles de Carthagène, pour le coup, les gars. Oula, les aigles de Carthagène, comme la Colombie, la Tunisie, c'est fini. Mais contrairement à ce que je croyais, la Tunisie, c'est pas easy. Oula, les gars, c'était pas easy du tout. Ils ont joué à fond avec Roby Khazri, les gars. Oula, Wati by Night, Roby Khazri, il marque que contre l'OM ou des joueurs qui ont joué à l'OM. Vous avez pas remarqué, les gars? Mandanda au cage, tout le temps il tire la même gueule, tout le temps il est en dépression, le mec. Oula, Roby Khazri, il met des buts que contre Mandanda ou contre l'OM. Et il a fait son match. Oula, c'était Roby Khazri, ils ont fait une causerie à la mi-temps. Il les a motivés et ils ont gagné. La joie, elle a duré 2 minutes pour les Tunisiens, les skins. Oula, 2 minutes de joie dans leur vie. Et derrière, il y a l'Australie qui a gagné. C'est pas historique, c'est préhistorique. Je vous rappelle qu'en Australie, c'est le seul pays où il y a des animaux préhistoriques. Il y a encore des T-Rex, des dinosaures, des Vélociraptors, des Spoobiraptors. Il y a tout, les gars. Incroyable. En tout cas, l'équipe de France est qualifiée. L'équipe de France est première. Mais j'ai l'impression, les gars, voilà, que c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, les gars. L'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, j'ai peur qu'on se perde dedans, les gars. Voilà, on va se faire fourrer avec cette équipe des forains. Voilà. Ça joue pas. Mbappé perso, quand il est rentré, il a fait la passe à personne. Bon, en même temps, t'as le choix entre dribbler ou faire la passe à Colomoigny. Je comprends, les gars. Mais en tout cas, l'équipe de France a perdu. La première défaite de 2014. Voilà. La télé n'a pas passé les poules, les gars. C'est incroyable.